bien évidemment, est un ouf de soulagement et d'espoir. Pour ce geste ô combien patriotique, permettez-moi tout d'abord de remercier Dieu le Tout-Puissant qui a permis de tenir les vicissitudes de l'exil, mais aussi d'adresser mes sincères remerciements au président de la République, chef suprême des armées, pour son ouverture d'esprit et son sens élevé de responsabilité. Au cours de ma vie, je me suis toujours consacré à la paix et à la stabilité de notre pays. J'ai parié sur l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre. C'est pourquoi nous devons tous jouer un rôle moral pour accompagner le CNRD et notre président dans un chantier de redressement et de réconciliation nationale pour l'intérêt supérieur de la nation. Madame, Monsieur, pour finir, je demande aux Guinéens de rester derrière le colonel président Mamadi Doumbouya, car il incarne le Togo, l'espérance et l'union sacrée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.